une conception plus systémique de la forêt, enfin, je sais pas, d'amener le sujet sur la question. Donc, moi, je crois que dans le féminisme et dans l'écologie, les découvertes scientifiques sont de première importance. C'est intéressant d'essayer de repérer en quoi, bah, finalement, on a des choses à se dire. Plus que croire à si, qui peuvent être conflictuelles, mais qui ne soient pas dominantes. Mais je crois que c'est pas gagné. Non. La politique, que ce soit des partis ou des mouvements, veulent justement rendre des capacités d'action. Bon, ça, j'aime bien parler entre le féminisme et l'antiracisme, parce que je pense que fondamentalement, ce sont effectivement les mêmes combats. Et donc, n'oubliez pas, il y a des documents de lecture sur ces thèmes en général. Par contre, une lettre qui passerait beaucoup moins bien. Quoi, parce que, là, c'est un mauvais exemple parce que j'ai justement changé. Ceci, c'est des verres complètement translucides. Non, mais t'as mon... En termes de Kyoto, de gaz à effet de serre, etc. Et donc, je pense qu'il faut... Il faut un peu d'humour aussi. Donc, pas du tout, quand même un petit peu de chevaux, c'est comment. Oui, qu'est-ce qui est collant? Oui, non, je sais bien. C'est intéressant. Mais. Oui, non, c'est ça. Face à la situation d'impact. Avec le gamin qui vient après, c'est pas. Qu'est-ce qui reste? Et on sent une des rivalités, hein. Est-ce que Florent, Bruxelles, je travaille depuis un an et demi comme conseiller politique chez Colo et j'ai voulu ajouter à ça. Mais l'approche systémique de ce qu'on a fait aujourd'hui. Oh, oui. Donc vous voyez des flèches qui vont dans un sens, donc et puis tout, dans l'autre. Et donc on a vraiment l'entièreté de ce qu'on a présenté aujourd'hui, qui est dans une approche totalement systémique. Et je pense que tous les éléments ont été repris et ont interagi ensemble. C'était la belle chose.